En début de troisième tiers, les Dauphins consolident enfin leur avance grâce au jongleur Maxime Boisclair qui signe là un doublé. Les visiteurs profiteront d'une supériorité numérique pour réduire l'écart à 10 minutes du terme, mais les Spinaliens tiendront jusqu'au bout pour s'assurer la victoire 4-3 et s'offrir un quatrième match. On est toujours vivants, on savait que ça allait être une série difficile, une série physique. On était fatigués, mais on voyait que l'autre équipe était fatiguée aussi. C'est des parties physiques, écoute, c'est des parties vraiment intenses, jouées à haut niveau. Et puis oui, on a confiance, on va se reposer ce soir, on va bien s'hydrater, mais on va venir en force demain pour la quatrième partie. Sur quoi ça va se jouer demain? Ça va se jouer sur les petits détails comme ce soir, on va devoir travailler fort.